Je vous invite à ouvrir avec moi la Bible dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 9. Selon une méthodologie que j'ai eu à cœur de développer, c'est que peut-être au début de chaque livret de méditation de BCI par rapport à chaque leçon, eh bien, nous commencerons, si je dois prêcher, je donnerai un enseignement particulier. Et quand on finit même aussi un livret, eh bien, je vais aussi apporter un enseignement sur les derniers éléments qu'on a vus dans ce livret-là. Et c'est dans cette perspective que s'insère mon intervention de ce matin, Luc chapitre 9. Nous lirons jusqu'au verset 27. C'est long, mais je vais lire parce que nous allons commenter tout ce qui est là. Mais rassurez-vous, je ne prendrai pas trop de temps. Je dirai vraiment l'essentiel. Et quand j'ai considéré le texte, il y a une suite logique dans la chronologie de la relation des faits par Luc. Et cela suit une méthode tout à fait cohérente. Luc chapitre 9. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait. Et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses, et il cherchait à le voir. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se soigner et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres partout pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur dit cette question, « Qui dit-on que je suis ?» Il répondit, « Jean-Baptiste, les autres, Élie. » Les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive.
Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Ce texte se déroule en grande partie avec Jésus et ses disciples. Parce que ce que Luc essaie de mettre en relief, c'est des choses qui concernent les disciples. C'est des choses dans lesquelles Jésus voulait certainement donner quelque chose pour marquer le caractère des disciples. C'est pourquoi je veux aborder ce thème-là, ce que c'est qu'être disciple du Christ, ou bien quelques aspects, quelques éléments qui caractérisent la vie du disciple. C'est quelque chose d'assez vaste, mais je vais simplement me limiter dans ce qui est là dans le texte. Il y a d'autres éléments qu'on pouvait récupérer ailleurs, qu'on pouvait exploiter ailleurs, mais comme je veux respecter l'esprit de notre livret de méditation, alors je vais me cantonner sur ces éléments qui sont là, en faisant certainement des escapades dans certains textes parallèles. Donc, nous allons parler du disciple. Ce que nous devons savoir, c'est que le Seigneur Jésus, en venant dans le monde, il avait deux objectifs. Le premier objectif, qui est l'objectif principal, c'est d'accomplir l'œuvre de rédemption de l'humanité entière en mourant sur la croix. C'est pourquoi Jean l'a présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est la grande partie de sa mission. Sinon, la première partie de sa mission est plus ou moins la partie la plus importante. Mais après avoir accompli cette œuvre de salut qui va voir des hommes et des femmes sauvés, et sachant que son œuvre n'allait pas s'arrêter après lui, ou bien se limiter dans un temps assez court, eh bien, le deuxième objectif qu'il a eu, c'est de choisir des hommes pour en faire des disciples, devant assurer la pérennité de son œuvre, la pérennité de cette mission-là. C'est pourquoi, dans Jean-Luc 10, plutôt, le verset 2, il dira, « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. » C'était le deuxième objectif. D'ailleurs, c'est une des principales recommandations que Jésus a eu à faire aux disciples avant de les quitter. Une des dernières grandes recommandations de Jésus à ses disciples, Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il ne dit pas « Allez faire de toutes les nations des chrétiens. » Mais il dit « Allez faire de toutes les nations des disciples. » Ça, c'est important. Nous allons voir tout à l'heure la nuance. Alors, donc, c'était dans cette optique. Et vous verrez que la plupart des événements qui sont relatés dans les évangiles, au moins les 70 ou les 80%, tiennent dans ce que Jésus voulait permettre aux disciples de capter, de comprendre. Et très souvent, ils se saisissaient de certaines occasions essentiellement pour pouvoir leur inculquer des enseignements, des leçons. Tout cela dans le cadre de leur formation en vue
de la relève qu'il constituait pour l'avenir de l'œuvre de Dieu. C'est dans cette optique. Nous parlons du disciple. Qui est le disciple? Le mot disciple vient d'un mot latin, je vous fais grâce. Je n'ai pas envie de donner des mots de tête à certains et embrouiller certains. Ça vient d'un mot latin qui signifie élève ou apprenti. Donc un élève, c'est un disciple. Un élève, c'est un apprenti. Donc un disciple, c'est un apprenti. C'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Quand vous allez, par exemple, à la soutenance de thèse, l'impétrant, celui qui est en train de présenter sa thèse, il fait son exposé magistral et après, maintenant, il est soumis aux questions des professeurs qui sont là, des agrégés et consorts. Et chaque fois qu'il lui pose des questions, l'autre répond, maître, maître, oui, cher maître, à plusieurs reprises, maître de sort. Parce que c'est eux qui leur communiquent et leur inculquent le savoir. Ce qu'ils sont en train de développer, c'est eux qui leur ont appris cela. Et dans l'ordre de la hiérarchie de la connaissance, ils sont au haut du palier. Et celui qui est en train de chercher à entrer dans leur sphère, il est encore au bas de l'échelle. Par extension, un disciple, c'est quelqu'un qui adhère à l'enseignement et aux doctrines et à la manière d'être d'un maître. Donc, un disciple, non seulement il adhère à l'enseignement de son maître, mais il adhère également à sa doctrine et à la manière d'être du maître. Vous allez voir des gens qui ont été marqués par des personnes. Je vous prends un exemple banal. Nous, quand on est allé à l'Institut pastoral et théologique pour notre formation, dans le premier trimestre, dans les trois premiers mois, à notre temps, par exemple, chaque matin, de façon systématique, un d'entre nous prêchait. Un d'entre nous prêchait. Ça donnait la diarrhée, excusez-moi le terme, mais ça donnait la diarrhée à certains d'entre nous. Et l'auditoire, c'est les autres étudiants. Et tu es arrêté où je suis arrêté. Le directeur est assis où l'ancien Mimi est assis avec son bic à la main et sur son cahier. Et quand tu es en train de prêcher, tes collègues ne disent pas Amen ou Alléluia. Silence total. Tu regardes seulement. Et donc tu prêches. Tu prêches, tu prêches. Et quand tu prêches, le gars il écrit. Il écrit. Et on avait des petits trucs pour savoir si vraiment le message passait. Quand il écrit à un moment donné que le bic, il laisse tomber le bic. Et puis il est comme ça, tu dis ça, c'est grave. C'est grave. Le gars ne me ratera pas aujourd'hui. Donc, on est assis. Et dans ce premier trimestre-là, quand vous entendez pour la première fois un de nos amis, un de nos collègues, tu peux te dire qui l'a recommandé à l'Institut. Parce que certains reproduisent la gestuelle, la façon de parler de leur pasteur qui les ont recommandés. Et dans les critiques du directeur, parfois ça revient et il disait à certains, mon ami, sois toi-même. Parce qu'en t'écoutant, on voit l'homme qui est derrière toi. Pourquoi? Parce que cet étudiant-là a tellement été marqué certainement par son pasteur qu'il veut ressembler à son pasteur, qui est son maître. Un disciple, généralement, quand vous le voyez, à travers lui, vous reconnaissez son maître. Parce que le disciple, c'est quelqu'un qui adopte la manière d'être du maître également. Ce que nous devons savoir, c'est qu'avant que Christ ne vienne,
Il existait plusieurs institutions d'obédience philosophique et religieuse, avec des maîtres. On les a connus en Grèce, il y en avait aussi chez les Romains. Vous avez fait les études, vous en savez quelque chose. C'est pas, je ne rentre pas dans ce terrain-là, parce que si je vais rentrer là-bas, je vais me perdre. Moi, je viens avec la Bible. Chez les Juifs, il y avait celle des pharisiens. Ils avaient celle des pharisiens, qui était une des tendances. Et ils étaient les plus nombreux. Ils étaient les plus nombreux et ils étaient les plus radicaux. Ils avaient des disciples. C'est eux qu'ils envoyaient. Ils avaient une forte emprise sur eux. Il existait aussi les disciples des Sadducéens, qui eux étaient moins nombreux, mais ils étaient les plus influents parce qu'ils avaient, ils étaient financièrement forts et ils avaient aussi une grande, de grands acquis intellectuels. Jean-Baptiste aussi a eu des disciples. Matthieu 9, verset 14, Matthieu 11, verset 2, etc., etc. Ainsi donc, ce que nous devons savoir, c'est que de la même manière, différentes personnes avec une forte influence ont pu marquer certaines personnes à l'époque. Jésus a eu aussi ses disciples. Et il leur a inculqué sa philosophie. Il leur a inculqué ce qu'il était, ses recommandations, ses enseignements. Et d'après Luc 9, on voit ici en grande partie le contenu que Jésus donnait au mot disciple. Le contenu que Jésus donnait au mot disciple. Et c'est ce que nous allons essayer de mettre en relief dans les minutes qui vont suivre. Dans Luc chapitre 9, versets 1 à 10, Jésus envoie les disciples pour la première fois sans lui. Ils s'en vont pour une mission d'évangélisation, une mission de salut, de guérison des âmes, de délivrance de ceux qui étaient sous l'emprise des mauvais esprits. Il les envoie en mission. Il ne les envoie pas chercher du pain, comme lors de l'épisode avec la femme samaritaine. Il ne les envoie pas pour aller trouver un lieu pour préparer la Pâque, mais il les envoie accomplir le travail que lui-même, il accomplissait jusque-là. C'est comme si Jésus les envoyait en stage pratique. Après les avoir instruits dans l'intimité, après les avoir instruits à la suite de ce que lui-même faisait, maintenant, sans lui, il les envoie pour tester un peu ce qu'il avait investi en eux. C'est ce même système qui existe, par exemple, dans nos instituts de formation. Les gens vont à l'institut, ils sortent, ils s'en vont sur le terrain, ils font des stages pratiques. Ça, c'est calqué sur la méthode de Jésus. Donc, le disciple, ce que nous pouvons retenir ici, est celui qui a été enseigné par le maître pour être ensuite envoyé en mission. Jean, Luc chapitre 9, versets 1 à 10. Il est enseigné par le maître pour être ensuite envoyé en mission, étant le continuateur de l'œuvre du maître. Il est d'abord enseigné pour être envoyé en mission par le maître, parce qu'il doit continuer l'œuvre du maître. Ce que nous devons savoir, c'est que le Seigneur ne nous appelle pas à être des chrétiens, des adeptes d'une organisation religieuse. Le monde en possède. Et si on est chrétien, ça veut dire simplement que il y a toutes sortes de tendances dans le christianisme aujourd'hui. On va suivre ces tendances. On va chercher à cadrer avec les tendances de l'époque. Mais Jésus nous a appelés, nous enseigne pour que nous puissions être ses disciples. Être disciple du Christ, c'est d'abord savoir l'écouter, recevoir ses enseignements, les observer, les mettre en pratique.
Si on est enseigné, ce qu'on reçoit, cela doit fondamentalement formater notre caractère, notre personnalité. Jésus dira aux disciples dans Jean chapitre 13 quelque chose également. Parce que ici, dans ce texte également, il leur dit des choses en relation avec leur identité de disciple. Jean 13, verset 34. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez comme aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, je vous ai aimé. Et un des traits par lesquels les gens doivent vous reconnaître comme mes disciples, c'est que vous devez vous aimer les uns les autres. Alléluia. Le disciple du Christ, c'est celui dans lequel transcende le caractère et la personnalité du Christ. C'est ça, être chrétien, quand on veut bien le dire. Celui qui dit qu'il est chrétien, en réalité, c'est un disciple. Il est supposé être un disciple. Et le disciple, c'est celui dans lequel le caractère du Christ demeure, s'impose, transcende. C'est cela. Et c'est ce qui va donner de la crédibilité et de l'autorité à notre action en tant que disciple. En tant que disciple, il faut commencer par être comme le maître. Jésus va dire, tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple ne dépasse pas le maître. Mais permettez-moi de parler ainsi. L'idéal, c'est que nous soyons comme le maître. Mais personne d'entre nous ne sera comme le maître. Parce que Jésus, il est un. Et il est exceptionnel. Alléluia. Nous essayons. On se débrouille. C'est pourquoi l'apôtre Paul pourrait dire dans Philippiens, je cours vers la perfection. Je ne pense pas l'avoir atteint. Mais je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. On n'atteindra pas la perfection. La perfection, c'est d'être comme Jésus. C'est l'idéal vers lequel nous devons tendre. Et je crois qu'en tant que chrétien, enfant de Dieu, c'est ce qui doit nous marquer et c'est ce qui doit véritablement s'imposer dans nos cœurs. C'est le souci majeur que nous devons avoir. Le croyant en Christ doit se caractériser par cette propension-là, ce souci-là. Et si nous nourrissons ce souci en nous, je vous assure que véritablement, nous allons avoir des défis que nous allons relever. Et les autres choses de la vie qui le plus souvent nous accaparent et qui font que nous perdons de vue cet élément essentiel vont être relégués au second plan. Et face aux petits progrès que Dieu va nous permettre de faire, nous allons être galvanisés et nous allons surmonter les situations difficiles peut-être qui se présenteront à nous. Nous verrons ça tout à l'heure. Quel est véritablement ce qui te préoccupe le plus? Tu es là ce matin. Qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Pourquoi tu es triste? Pourquoi au lieu d'être heureux, parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu es triste? Et de façon permanente, tu es triste. Change tes principes de valeur. Change les éléments qui ont une certaine attraction sur ta vie. Ce qui doit avoir une attraction sur ta vie, c'est que tu cherches à conformer ta vie aux standards et aux normes de la vie du Christ. C'est ça. Petit à petit, tu dois être en mesure de faire le point. Est-ce que je suis en train de tendre vers le Christ, vers sa stature? Est-ce que je suis en train de le ressembler? Ou bien je suis en train d'être sclérosé avec le temps. Vous savez, parfois, il y a un constat qui est dressé. Avec le temps, avec l'âge, il y a des chrétiens qui se dégradent.
ce qu'ils font de la dynamique de leur vie se dégrade. On devient médiocre. Or, normalement, on dit le vin se bonifie avec l'âge. Les spécialistes du vin disent que le vin devient meilleur quand il prend de l'âge. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, normalement, avec le temps, nous devions nous caractériser par l'excellence parce que Christ est en nous. Et Christ, il y a une mutation profonde du Christ en nous, dans notre personnalité, dans notre caractère. Et quand c'est comme ça, il ne peut pas ne pas avoir la joie dans le cœur. Quand bien même que les circonstances peuvent être difficiles, mais vous allez voir quelqu'un qui les surnage. Vous allez voir quelqu'un qui les domine. Vous allez voir quelqu'un qui répand autour de lui une certaine joie de vivre, une certaine gaieté. Parce qu'aujourd'hui, la vie dans laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui nous stresse. C'est un monde qui nous oppresse. C'est un monde qui nous fait vieillir vite par les soucis qu'il nous impose. Mais nous avons l'antidote, Jésus-Christ. Et si véritablement, nous permettons à la personnalité du Christ, à l'identité du Christ, au caractère du Christ de s'imposer en nous, mes chers frères et mes chères sœurs, nous allons être des hommes et des femmes extraordinaires. C'est ça le disciple. C'est pourquoi Jésus dit aux disciples, c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et chaque fois que Jésus fait quelque chose, il leur dit, c'est comme ça, vous devez faire. Si vous dites que vous êtes de moi, c'est comme ça, vous devez être. On n'est pas ici à l'église pour suivre quelqu'un. Si c'est moi-même là que vous regardez, vous n'allez pas aller loin. Mais on est là à cause de Jésus. Et Jésus, il ne change pas. Jésus, c'est l'excellence. Jésus, c'est la panoplie achevée de la perfection. Par conséquent, c'est lui que nous devons regarder. C'est vers ce qu'il est que nous devons tendre. Si c'est ça, notre objectif, nous aurons raison de dire que je n'ai pas raté ma vocation d'être un enfant de Dieu. Je suis véritablement un enfant de Dieu. Tout disciple accompli est un homme équipé par le maître, pour sa mission. Et ce qui doit être essentiellement, ce qui doit le caractériser essentiellement, c'est comment réussir sa mission. Regardez, les disciples sont partis. Ils ont eu du succès. Un succès fulgurant. Et ils ont été équipés. Ils sont partis, ils vont réussir dans leur mission. Ils vont réussir ce que le maître leur a confié. Et ils vont accomplir quelque chose de fulgurant. Aucun d'entre eux n'a essuyé d'échec dans ce qu'ils sont allés faire. Et donc, ce qu'on doit savoir, quand on est disciple du Christ, on est équipé aussi pour sa mission. Il nous équipe. C'est l'idéal. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 12, il est parlé de l'Église comme étant à l'image du corps humain. Et chaque élément du corps joue un rôle prépondérant. Il est parlé également dans Matthieu 25 de la parabole des talents. Ils sont partis. Et il nous a dit dans le texte de Luc 9 que véritablement la moisson a été abondante. Elle a été fructueuse. Ils n'ont pas échoué. Des choses extraordinaires vont s'opérer, vont se manifester. Parce que quand on est disciple, quand on a le caractère du Christ en nous, quand on a la personnalité du Christ en nous, et que on se met en action parce qu'on a reçu l'équipement pour le service, il n'y a pas de raison qu'on échoue. On réussira sûrement. Dans le verset 7 et le verset 9, il y a un élément important que je voudrais relever. Luc chapitre
9. Hérode va apprendre ce qui est arrivé. Jusque-là, il y a eu des choses qui ont été faites. Mais de par l'action des disciples sur le terrain, le retentissement est allé très loin. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur veut que nous partagions sa gloire. Il ne veut pas régner lui seul. Regardez, jusque-là, Hérode n'a pas été aussi marqué, bouleversé, que lorsque les disciples ont été sur le terrain. L'amplification de leur action a été tellement, le retentissement de leur action a été tellement forte qu'Hérode s'est dit, mais qui est celui-là? Les gens disaient, bon, c'est Jean qui est ressuscité. D'autres disaient que c'est lui, c'est les anciens prophètes. Parce que Israël était bouleversé. Ce que nous devons savoir, c'est que, en tant que disciples, par notre action sur le terrain, nous contribuons à amplifier l'œuvre du Christ partout. Le disciple, c'est un amplificateur de l'œuvre du Christ. Nous, quand on était jeunes, il existait des postes, des appareils où il y avait des amplificateurs. Aujourd'hui, tout est combiné. À l'époque, il y avait les grands enseignes, les baffles étaient gros comme ça. Il y avait les tourne-dis, il y avait un amplificateur à côté. Et c'est l'amplificateur qui donnait un son fort et qui amplifiait, qui donnait vraiment du tonus au son. Et en tant que disciple, aussi nombreux que nous sommes, si véritablement nous jouons notre rôle de disciple, eh bien, nous allons amplifier l'œuvre du Christ. Et Jésus savait, et c'est l'objectif qu'il voulait atteindre. Chers frères, le Seigneur ne nous sauve pas, ne veut pas que nous soyons là simplement à nous réjouir. On est nombreux. De toute façon, quand on voit le nombre ici, là, vous êtes une goutte dans la mer par rapport à la population de Niangono. Mais même en Côte d'Ivoire, ils ont fait une statistique, les chrétiens évangéliques, ça ne représente pas 10% de la population. C'est insignifiant. Mais si véritablement, en tant que croyant en Christ, disciple du Christ, dans les mouvements, dans les églises évangéliques, nous jouons notre rôle de disciple. Nous sommes d'abord, de par notre identité, vraiment des disciples. Et si nous jouons notre rôle de disciples, des envoyés, des gens qui accomplissent la mission, chers frères, chères sœurs, nous allons bouleverser la société. Nous allons bouleverser la société. Nous sommes, comme je le disais parfois, au sein des assemblées de Dieu, je le disais à mes amis, par rapport aux actions que nous devons mener ensemble, nous sommes une puissance qui s'ignore. Et on est là, parfois, certains sont là, ils pleurnichent. Moi-même, non, je suis attaqué. J'ai trop de problèmes. En tout cas, mes parents sont des sorciers. C'est des futilités pareilles que le diable, à quoi le diable occupe certains et ne les amène pas à jouer leur rôle de missionnaire du Christ. Ils n'ont pas compris. Être disciple, c'est être un missionnaire. C'est-à-dire un envoyé du Christ pour accomplir son action. C'est la raison d'être, notre raison d'être sur la terre. Voilà pourquoi on est sauvé et on est sur la terre. Si tu es sauvé et que tu ne prends pas conscience de cet aspect de ton appel en Christ, tu as raté ta vocation. Ils sont assis dans les mêmes bureaux avec des gens. Ils causent de tout, ils parlent de politiciens, ils parlent de tout. Elles sont dans les marchés avec les femmes. On voit les tissages des cheveux, ils parlent d'épingle, de modèles. Mais ils ne comprennent pas que le marché où je suis assis ici, là, je suis venu en mission commandée par le Seigneur Jésus. Et ma première vocation à être dans ce marché, c'est de parler de Jésus.
Ils sont dans les lycées, dans les collèges, dans les universités. Ils font concurrence de modes et des jupes courtes et mini. Ils font concurrence de décolletés. C'est tout. Mais dit que on va se mettre en action, en idée même d'abord, qu'on est là pour être missionnaire du Christ, ça, ils ont oublié. Mais non, chers frères, chères sœurs, vous êtes là pour amplifier l'œuvre du Christ. C'est ce qui va bouleverser. Et c'est ce qui a bouleversé Hérode. Un élément important à relever dans ce texte de Luc, c'est le fait que d'après lui, Hérode ne croyait pas ou ne pensait pas que ce soit des hommes ordinaires du peuple qui étaient les instruments de cette puissante action. Ceci revient à dire que sur le terrain, les disciples ont mis en avant la personne du Christ. Hérode pensait pas aux disciples. Il a dit, mais qui est celui-ci? Ça veut dire que quand les disciples sont partis, ce n'est pas les personnalités qu'ils ont mis en avant. Ils ont mis en avant celui qui les avait envoyés. Chers frères, chers sœurs, mettons le Christ en avant. Aujourd'hui, trop de personnes cherchent à s'afficher. Même des prédicateurs. Tu vois certains même de par leur accoutrement, tu te dis qu'ils se sont trompés de métier. Parce qu'ils sont en concurrence avec les mannequins. J'étais en 2001 allé à la RTI pour faire une annonce concernant la jeunesse nationale et on était dans le studio de la RTI. On était en train de nous arranger pour passer à l'écran sur le plateau et j'étais dans le studio. Et je voyais un monsieur qui rentrait, qui sortait, en tout cas, il sortait des démarches, tout ça. Il avait une chevalière, tout ça. Bon, il était sorti de la salle de maquillage, il marchait. Je l'ai regardé, bon, ça. Je ne savais pas que penser. Et puis, il est monté sur le plateau. Et nous, on était assis en attendant notre tour. Et Serge Fatou Elenga l'a attaqué. Il a attaqué le monsieur, je ne dirai pas son nom, mais il a fait fureur dans les années 2000 jusqu'à 2005 par là. Je ne sais plus où il est maintenant. Et ça, c'est le feu de paille. Ah, il dit, mais vraiment, ces révérends, ils ont du goût. C'est comme ça que Fatou et le gars l'a attaqué. Il dit, mais les révérends, ces révérends-là, ils ont du goût. Hein? Mais vraiment, tout est assorti là. Il est tombé dans le panneau. Il dit à ces Fato, mais je suis un enfant de Dieu, j'ai la gloire du Seigneur sur moi. Il faut que la gloire sorte. Il parlait de cette façon-là. J'étais assis comme ça, j'étais ahuri. Alors, parce que c'est ça qui va refléter la gloire. Pour lui, la gloire, c'est dans son accoutrement avec tous les artifices. Non, il ne faut pas se tromper, mes frères, mes soeurs. Tu peux être bien habillé, toujours très bien habillé, mais tu es un candidat en puissance pour l'enfer. C'est clair. Parce que tout ce qu'on porte là, c'est destiné aux termites. Nous-mêmes, notre corps, c'est destiné aux termites. On a des parents qui dorment aujourd'hui dans le corps d'or dans les cimetières. Celui que nous devons mettre en avant, c'est le Christ Jésus. Départissons-nous de cette idée. Il y a des gens qui sont là, qui sont rongés, mais les autres, ils avancent, moi je n'avance pas. Ils avancent pour aller où? Nous tous, on a un seul terminus. On a tous un seul terminus. Vous savez, non? Hein? On court là. Il y a un terminus pour nous tous. Mais au-delà de ce terminus,
C'est ce qui est devant là qui est important, c'est l'éternité. Et c'est ce qui est éternel que nous devons viser. Par conséquent, ce qui doit caractériser nos vies, c'est de chercher à faire la promotion du Christ. Et quand les disciples sont partis, ils n'ont pas fait qu'à d'eux-mêmes. C'est le Christ, c'est ce que le Christ leur a inculqué. Et c'est ce qu'ils ont mis en avant. Et quand ils ont mis le Christ en avant, Hérode a été bouleversé. Il y avait des pharisiens, des grands chefs religieux à l'époque, mais ils n'ont pas bouleversé Hérode. Chers frères, chères sœurs, ce que je voudrais nous dire ce matin, quel que soit ce que nous sommes, minuscule que nous sommes, insignifiant que nous sommes, si nous permettons au Christ d'être en nous, et si nous nous mettons en mouvement pour le Christ et nous le mettons en avant, il n'y a pas de raison que nous ne bouleversons pas le monde. Ce n'est pas possible. Que le Seigneur nous aide. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit ceci dans 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est le Christ que nous prêchons. Un autre élément. Ils reviennent de la mission. Aussitôt qu'ils reviennent de la mission, verset 10, Jésus dit, bon, vous allez faire votre compte-rendu, mais vous allez vous retirer un peu à l'écart pour vous reposer. Jésus a dit de se retirer. Il se retire, la foule a su où ils ont fait un mouvement pour partir. La foule les retrouve là-bas. Cela confirme une assertion. Cette assertion-là, c'est que il n'y a pas de repos sur la terre. Jésus lui-même dit dans Luc 9, verset 58, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il veut aller là pour se reposer, travail l'attend. Il veut aller là pour se reposer, travail l'attend. Mais dans une autre perspective, se reposer, ce n'est pas un péché. Jésus dit à ses disciples d'aller à l'écart, c'était pour se reposer. Après une activité intense, ce qui nous dévoile là, c'est que on a besoin de marquer un temps d'arrêt pour passer en revue son action, évaluer et se reposer. Après une activité intense. C'est pourquoi, dans Genèse chapitre 1, il est dit que Dieu a travaillé 6 jours et le 7e jour s'est reposé. Et c'est pourquoi le temps de repos a été institué. Ça, c'est un élément que je veux relever. Mais ce que je veux mettre en relief également, dans cette section-là, qui part du verset 10 au verset 17, c'est que le disciple est un homme de défi. Le disciple est un homme de défi. En considérant la vie du Seigneur lui-même, c'est ce que l'on peut aussi retenir. Et il voulait que ses disciples captent cela. La vie du disciple est un défi. Ils arrivent, voilà la foule qui vient. La foule est là, elle écoute la parole toute la journée. Il va se faire tard, il va se faire nuit. Et ils disent à Jésus, il faut les renvoyer parce qu'on n'a pas de quoi les nourrir ici. Jésus dit, vous-même donnez-leur à manger. Ce qu'on a là, on n'a pas véritablement une grande quantité de nourriture. Ils ont rétorqué à Jésus. Jésus dit, bon, faites-les asseoir. Et le défi sera relevé. Alléluia. Nous devons comprendre que, quelle que soit leur ampleur, ce ne sont pas nos capacités, nos ressources, ni notre faiblesse qui constituent la réponse, mais sa puissance qui est notre atout et la solution. Nous allons être confrontés à des défis. Quand il y a des défis, quand il y a des situations inextricables, des situations compliquées, et en tant qu'enfants de Dieu, étape par étape, nous connaissons des moments parfois difficiles. Je ne sais pas par quel moment tu passes actuellement. Tu en as fini avec une étape, une difficulté, et une autre difficulté commence. Les difficultés que Dieu permet dans nos vies, il ne les permet pas parce qu'il compte sur nos capacités. Il ne les permet pas parce que il
comptes sur notre faiblesse ou quoi? Ce que nous devons savoir, c'est que notre faiblesse ne constitue pas pour lui la réponse ou bien un obstacle. Parce que quand Dieu nous impose des défis, il a la puissance et il a les moyens de relever ces défis. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 9, chapitre 12 plutôt, verset 9, l'apôtre Paul est un homme qui a vécu ce paradoxe. Ce paradoxe qui consistait à être un homme puissant en œuvre de la part du Seigneur, mais un homme qui souffrait dans sa chair, malade. Quel paradoxe. Mais trois fois, il a prié le Seigneur et le Seigneur lui dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Il dit, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Chers frères, quand Dieu permet des difficultés qui mettent à nu notre faiblesse, c'est que Dieu lui-même a décidé de manifester sa puissance. C'est que Dieu a décidé de manifester sa puissance. Donc, face à la situation qui t'oppresse, par laquelle tu passes actuellement, humainement parlant, elle est difficile. Jeudi dernier, je suis allé voir un ami de promotion. Nous sommes liés. Il m'a appelé deux jours avant pour me dire, « Ah, mon frère, ça fait un moment, je souffre. » On s'était parlé pour la dernière fois, quand il était à Lomé pour ses congés. Il m'a dit, « Depuis juillet, je souffre. » On a fait des analyses, on a fait des analyses, on a fait des analyses. Et c'est difficile. J'ai dit, bon, d'accord, j'ai compris. Donc, je suis allé le voir jeudi matin. Je suis arrivé et il m'a décrit sa situation. Et il m'a dit, la médecine m'a condamné. On me donne 3 mois ou bien 6 mois à vivre. Et quand ils m'ont donné le verdict, je leur ai dit, celui qui a fait de moi ce que je suis, il est vivant. Merci, vous avez fait ce que vous devez faire, vous avez fait votre travail. Mais je pense que c'est à lui maintenant de faire son travail. Oui, chers frères, chers sœurs, quand parfois on est confronté à des situations qui mettent à nu notre faiblesse, c'est parce que Dieu lui-même veut manifester sa puissance. Notre faiblesse ne signifie pas que Dieu est impuissant. Notre faiblesse ne limite pas la main de Dieu. Paul n'a pas été guéri de cette maladie. Il n'a pas été guéri. Mais il a vécu en relevant ce défi. L'apôtre Paul dira lui-même dans 2 Corinthiens 4, verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » Il avait conscience qu'il avait un trésor. Le trésor que Dieu avait, de l'investissement que Dieu avait fait dans sa vie, que le Seigneur avait fait dans sa vie. Mais cependant, il dit, ce trésor tient dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Alléluia. Nous sommes des êtres faibles. Nous ne sommes pas quelque chose. C'est pour que la puissance de Dieu se manifeste. Autre élément, le disciple est celui qui connaît son maître. Matthieu 10, Luc 18, verset 20. Jésus est à l'écart avec ses disciples et il leur pose la question, « Qui dit-on que je suis ?» Il lui donne les réponses. Il dit, « Mais vous, vous dites quoi ? Qui je suis ?» Paul dit, Pierre dit, « Le Christ de Dieu. » C'était la réponse que Jésus attendait. C'est pour nous dire simplement ceci. Le disciple est celui qui connaît son maître et qui ne dépend pas de l'opinion des autres. Quand on est disciple, on ne dépend pas de l'opinion des gens. Il y a des gens qui n'ont pas une relation personnelle avec Dieu et qui dépendent de l'opinion des autres. C'est ceux-là qu'on manipule facilement.
Si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, on va te manipuler. Un disciple ne doit pas dépendre de l'opinion de quelqu'un. Quelqu'un peut te dire quelque chose, mais en tant que disciple, toi-même, tu dois avoir une armature qui te permet d'examiner. La Bible dit examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. L'apôtre Paul, vieillard, malade, abandonné de tous, dans l'épître de Paul à Timothée dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il a la puissance de garder mon dépôt. C'est quelqu'un qui est clair dans son esprit. C'est quelqu'un qui a une opinion juste sur son Seigneur. C'est quelqu'un qui est à jour de ce qu'il devait savoir sur son Seigneur. Et par rapport aux situations, aux événements, à ce que les gens racontent, il marchait la tête froide. Il marchait tranquille. Parce que le vrai disciple ne dépend pas de l'opinion de quelqu'un. Aujourd'hui, on est là, il y a des gens qui sont là. Mais quand je mets comme ça, les gens me regardent comme ça. Quand je fais ça, les gens là-même, faut quitter dedans. Les gens vont dire quelque chose, ils vont avoir toujours de quoi dire. Mais toi, ce qui doit te préoccuper, qu'est-ce que Jésus pense de toi? C'est ça qui est important. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui sont devenus des manipulateurs. Ils les manipulent comme ça. Tu marches, ton pied heurte un caillou. C'est vers lui, tu dois aller dire, bon, quand je marche, mon pied a cogné quelque chose. Ça veut dire quoi? La personne devient objecteur de conscience pour toi. C'est-à-dire que toi, il est devenu ton maître à penser. Bon, je vais aller aujourd'hui. Mais je ne sais même pas, est-ce que c'est dur, je dois manger ou bien c'est placali? Prophète, il faut me dire. C'est le prophète qui doit lui dire, il mange placali aujourd'hui. Bon, je dois sortir, je dois m'habiller, je dois porter une robe verte ou bien rouge. Porte une robe noire. Non, 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 non. Tu es disciple ou bien tu n'es pas disciple. Ils ont fait un bout de chemin avec lui. Et c'est par rapport à tout ce qu'ils savaient de lui. Quand Jésus leur a posé la question, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, loin de Dieu, celui que Dieu a choisi pour venir sauver le monde. Alléluia. Finissons-en. Et finis avec le verset 23 jusqu'au verset 27. Où il parle de preuves, de la croix. Le disciple est un homme ou une femme coutumier de la souffrance parce qu'il suit le chemin de la croix, couronnement de l'œuvre de son maître. Le disciple, c'est un homme coutumier de la souffrance. Jésus dit ici, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Regardez bien ce qui est dit, hein? Qui se charge chaque jour de sa croix. La croix est omniprésente dans la vie du disciple. C'est pourquoi ne pensez pas que chaque jour sera un long fleuve tranquille, une mer d'huile. C'est pourquoi ne pensez pas que votre vie sera toujours rectiligne, plate, goudronné, sans crevasse, ni de nez de poule ou de chameau, comme ici dans nos routes. Le disciple, chaque jour, la croix est là. Ne vous y trompez pas. Ceux qui disent, ne souffrez pas, vous ne devez pas souffrir, ils vous mentent et ils vous trompent. Jésus dit, chaque jour, la croix. Pourquoi la croix? Parce que le disciple, il est opposé au système de ce monde. Le disciple, il est quelqu'un qui est en porte-à-faux avec les valeurs de ce monde. Le disciple, c'est quelqu'un qui est un soldat qui cherche
à mettre en difficulté le système de ce monde. Et comme tu es un soldat, comme tu es un envoyé spécial, comme tu es en mission commandée pour détruire les fondements et les valeurs de ce monde, tu seras aussi combattu. Tu seras aussi combattu. Donc, il faut cesser de dire on m'attaque. Si on ne t'attaque pas, c'est que toi-même, là, tu n'as plus dans la note. Un des éléments qui vont te permettre de savoir que véritablement, tu es dans la note, naturellement, on doit t'attaquer. Si tu ne déranges pas, tu ne seras pas dérangé. Mais si tu déranges, on va te déranger. Et si un enfant de Dieu est approuvé de Dieu, il a l'onction de Dieu sur lui, partout où il va croiser adversaire. Mais adversaire va le croiser aussi. La croix est là, omniprésente. C'est ça le disciple. Si ce n'est pas ça, c'est que tu n'es pas disciple. Le maître que nous suivons, c'est ce qui a couronné son œuvre. C'est par la croix que son œuvre a été couronnée. C'est la croix qui est la signature principale de son œuvre. C'est la croix qui a marqué la réussite de son œuvre. S'il avait échoué à la croix, moi je ne serais pas ici, assis ici aujourd'hui. Parce que notre foi est vaine et la prédication de l'évangile est fausse. Mais parce que Jésus est allé à la croix, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il est assis à la droite de Dieu. Son message est vrai. Lui-même, il est vrai. Donc, chers frères, chers sœurs, comprenons ça. Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et une des choses essentielles par laquelle le disciple montre qu'il est comme son maître, c'est qu'il porte sa croix aussi. Alléluia. Enfin, dans le même texte, il parle de renoncement. Il parle de renoncement. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Être disciple. Et le disciple est un homme qui suit un chemin de renoncement. L'apôtre Paul dira dans Actes chapitre 20, verset 24, « Je ne fais pour moi-même aucun cap de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. » Je ne fais pour moi-même aucun cap. Chers frères, chers sœurs, toi-même là, ne t'aimais pas dans le chapitre. Parce qu'il y a des gens qui sont trop arc-boutés autour de leur personnalité, de leur petite personne. Ils ont oublié qu'un jour, il y a des gens qui oublient ça. Hein. Quel engagement tu as pris dans les heures du matin? Aujourd'hui, je suis pasteur. Quand on les met dans l'eau, tu veux marcher avec le Seigneur? Oui, je veux marcher avec le Seigneur. Combien de temps? Toute ma vie. Et tu peux supporter. Donc, je veux. C'est l'engagement que tu as pris. Maintenant, tu as donné ta vie au Seigneur. En te faisant baptiser, c'est que tu as remis ta vie au Seigneur comme une offrande. Maintenant, le propriétaire vient, il récupère ce qui lui appartient et il vient en faire ce qu'il veut. Il vient en faire l'usage qu'il veut. Et puis toi, tu es là. Mais Seigneur, même c'est quoi? De quoi je me mêle? Tu m'as donné, tu as dit que ça m'appartient maintenant. Libre à moi d'en faire ce que je veux. Maintenant, quand le Seigneur veut prendre ta vie pour en faire ce que tu veux, c'est toi-même, Seigneur. Mais il se trompe ou bien c'est toi qui te trompes?
De vous deux qui se trompe. Tu as renoncé à ta vie dans les eaux du baptême. Tu as renoncé à ta volonté dans les eaux du baptême. Tu lui as donné ta vie. Ta vie ne suivra pas le parcours rectiligne que toi tu imagines. Ta vie suivra le parcours que Dieu lui destine. C'est la direction que Dieu, dans son plan éternel, a décrit qui va s'accomplir. Donc, vois ta situation actuelle qui est complexe, qui est compliquée, qui est bizarre, comme la ligne droite que Dieu veut te faire suivre, même si elle est courbée. Parce que être enfant, être disciple, c'est un chemin de renoncement. C'est pourquoi dans 2 Timothée 2, verset 4, et je termine avec cela, l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas de soldat qui, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, s'embarrasse des choses de la vie. Le soldat, il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. On a vu ici. Imaginez-vous, les soldats, quand ils étaient sur les champs de bataille, il y a des combats qui peuvent durer 24 heures, 48 heures. Mais est-ce qu'ils ont le temps d'aller se laver, se pomponner? Il faut les approcher parfois, dans ces périodes-là. Ils sentent mauvais. Parce que ça fait peut-être 4 jours ou 5 jours qu'ils ne se sont pas lavés. Hein? Et ça reste sur certains de nos frères. Militaires ou bien policiers. Eux, ils n'ont pas ce problème-là. Ah oui. Sur le champ de bataille, est-ce qu'ils auront brosse à dents avec Colgate ou bien quoi? Même Kyrgyzstan même, est-ce qu'ils connaissent? Ça fait 4 jours, 5 jours, il n'y en a pas. Se coucher sur un matelas bien doux, non? Où est-ce qu'ils se couchent dans ces périodes-là? Parce que s'ils veulent faire comme toi, qui a pris le temps devant le miroir, le coup de fusil l'a récupéré. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie. C'est le renoncement. Et le Seigneur veut des disciples, des gens qui renoncent, des gens qui ont renoncé à eux-mêmes, à leur volonté, des gens qui ont renoncé à des positions. Et l'apôtre Paul a été un homme de ce type-là, un homme de ce genre. Il était pharisien. Il était un homme de la haute société. Il était quelqu'un qui était suffisamment instruit. Mais il a renoncé à toutes ces choses. Il a regardé ces choses comme étant de la boue. Il faut des renoncements nécessaires. Si tu veux être disciple, il faut des renoncements. Il y a des gens qui sont dans l'église. Mais si tu es chrétien et que par rapport aux choses de la terre, tu veux t'afficher, ça va t'amener à la compromission. Et il faut renoncer. Il y a des choses que tu dois renoncer. Si tu veux garder ton identité, il y en a qui se sont laissés acheter. Il y en a qui se sont laissés corrompre. Il y en a qui, pour avoir les avantages de ce monde, se sont compromis dans certaines choses. Mais on ne peut pas être disciple sans renoncement. Peut-être que tu n'es plus le disciple du Christ parce que tu as refusé tout renoncement. Tu dois renoncer à Nyadio. Tu dois renoncer à Gueye. Tu dois renoncer à Marguerite. Tu dois renoncer au gars. Tu dois renoncer à la go. Tu dois renoncer au petit pompier. Tu dois renoncer au gigolo. Sinon, tu n'es pas disciple. Le disciple, c'est un homme de renoncement. Que le Seigneur nous bénisse.